Bonjour, je suis Patrick Lapouillade, directeur de l'association Curuma. On est centre permanent d'initiative pour l'environnement au Médoc. On est ici sur les marais du Conseiller, au Verdon-sur-Mer, à La Pointe. L'objectif de l'association, c'est de réhabiliter des espaces humides, des zones de marais maritimes comme celle-ci, en s'appuyant sur l'installation d'activités socio-économiques. On a travaillé beaucoup avec des aquaculteurs, des agriculteurs. On installe des gens au niveau pâturage ici, sur des prairies. Notre objectif est de restaurer ces espaces de marais, de leur redonner leur fonction au travers des activités humaines qui, de toute façon, ont façonné ce territoire. Pour nous, la campagne My Positive Impact, ce qu'elle a apporté, c'est une reconnaissance déjà du travail qui avait été effectué. Elle a eu ce rôle extrêmement important de redonner de la valeur à notre travail et de nous reconnecter finalement avec une partie des partenaires, avec les adhérents, les propriétaires aussi, comme le Grand Port Maritime de Bordeaux, des acteurs comme le Conservatoire du Littoral, des départements. En termes de bilan, vraiment, ce que ça a apporté, c'est de nouveau un regard positif sur finalement le travail qui est engagé depuis plus de 20 ans par l'association. On reste dans un contexte où on a tendance à focaliser sur les aspects négatifs. On ne voit que les catastrophes, on ne voit que les difficultés. Et pourtant, on a beaucoup de gens aujourd'hui, au travers de tous ces projets, qui s'engagent, qui collaborent, qui sont en train d'effectuer un travail où, effectivement, on change le regard sur les enjeux environnementaux, on en fait des atouts pour demain. Et c'est pour ça qu'il faut, effectivement, aller sur le site, voir en fait la profusion de projets positifs qui émargent de cette campagne-là. Allez-y et votez pour les projets My Positive Impact.